أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Matullahi wa barakatou. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose que j'ai découvert via un frère, Allahumma barak, Allah le préserve. Les Émirats, ils sont toujours dans le futur, comme vous le savez toujours. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment on peut ouvrir un compte bancaire en moins de 20 minutes et obtenir une carte bleue et un chéquier via la banque ADCB. C'est parti. Donc tout d'abord, ça se passe sur place, à la banque, à City Walk. Donc il y a une branche là-bas pour faire cela. Tout d'abord, il faut télécharger l'application mobile. Vous recevez un numéro OTP sur votre téléphone. Ensuite, vous validez Islamic Bank. Et ensuite, vous suivez les étapes. D'accord ? Donc on vous demande si vous êtes salarié, self-employed ou si vous êtes investisseur. Ensuite, on vous demande de mettre le nom de votre société, c'est-à-dire qui vous embauche. Faites en sorte que ça colle avec ce qui est écrit sur votre ICRAMA. Ensuite, vous avez votre secteur, vous continuez, vous suivez les étapes dans l'application mobile et vous êtes toujours sur place à City Walk dans la banque même. Ensuite, on vous demande de scanner votre pièce d'identité. Donc, vous allez scanner tout d'abord l'Emirates ID. Ensuite, on va vous demander de scanner votre passeport. Donc, vous allez scanner le passeport également. D'ailleurs, ce qu'on a découvert, c'est qu'on peut scanner une photo d'un portable à notre portable. Ensuite, il vous demande de scanner votre signature. Et voilà, tout simplement, très rapide. Et là, votre compte, en gros, il est quasiment ouvert. Ensuite, on vous demande quelques informations sur votre nationalité, là où vous êtes né, voilà, la ville où vous êtes né. Et ensuite, tout simplement, vous suivez les étapes jusqu'à ce que vous arriviez à la fin de la procédure. Et là, on vous demande de rentrer dans une salle où vous allez être face à une machine avec une personne, un agent qui sera dans l'écran et qui va vous guider tout le long de la procédure pour l'obtention de votre carte bleue qui sera imprimée en direct live devant vous. Vous allez passer par un système de reconnaissance des empreintes digitales. Donc voilà, donc tout ça, c'est vraiment le futur. Ils sont dans le futur. Donc là, vous prenez votre carte bleue. Voilà, elle est imprimée en direct dans la machine. Ensuite, vous communiquez le numéro de la carte bleue à l'agent qui est avec vous en ligne. Voilà. Ensuite, vous allez imprimer tout simplement les chéquiers. Les chéquiers, je m'attendais à un checkbook qui allait sortir, mais en fait, c'est pas ça. Ils sont très smart en fait. Ils vous donnent six chèques imprimés sur un papier, tout simplement, que vous pouvez utiliser pour vos transactions et autres. Ici, vous savez qu'aux Émirats, quand on prend un appartement, on a toujours besoin d'un chéquier. La plupart des gens sont à l'hôtel, dans l'attente des banques et tout ça, pour pouvoir prendre leur appartement. Et là, en fait, vous avez tout dans la même journée. Ça veut dire que ça va vous faire économiser du temps et de l'argent. Voilà, le chéquier est sorti de la machine. Vous avez trois chéquiers qui sortent en même temps, puis trois autres chéquiers qui sortent en même temps. Par-dessus cela, vous recevez aussi également un papier qui est en fait les informations de votre compte, c'est-à-dire le RIB bancaire et votre IBAN et toutes les informations. Ensuite, c'est simple, vous allez au guichet pour activer votre carte bleue en choisissant un mot de passe. Vous le faites deux fois et votre carte est activée. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aujourd'hui ouvrir un compte bancaire aux Émirats en moins de 20 minutes. Et obtenir une carte bleue et un chéquier sur le champ. C'est juste incroyable. Et en plus de ça, vous avez à côté de City Walk une très belle mosquée, vraiment très jolie, mashallah. Vous pouvez tranquillement faire vos prières là-bas pendant l'ouverture de votre compte ou après. Et voilà, en tout cas, partagez cette vidéo parce qu'elle va faire économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent à tout le monde. Jazakumullah khairan. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a pas mal de gens qui regardent la chaîne qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous parce que ça donne de la force et ça permet de donner plus de visibilité à la chaîne. Follow Me for Hijra. Et donc plus de khair
plus de gens qui font la hijra. Ayakum Allah, jazakum Allah khairan. Ahsanallah ilaykum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى.